Je suis à Paris. C'est la première fois que je viens au canal Saint-Martin et c'est très joli en fait. Et on est en train de regarder un bateau qui passe l'écluse là. Je passe une petite semaine à Paris, mais je vais voir des trucs cool. Je pense que ça va être bien et je vais partager quelques trucs avec toi. Je vais pas non plus me foutre la pression pour vlogger, mais il y a moyen que ça soit cool. Il y a Veggie World ce week-end et j'espère vous rencontrer. Et je me dirige dans ma boutique préférée que vous me citez des fois dans les tweets et je suis très contente. J'ai des passages du désir bien sûr. Je vous montre un petit peu tout ça, je pense que vous avez déjà vu. En tout cas venez hein, si vous êtes de Paris, c'est top comme boutique, vous allez voir, c'est trop beau. Pas comme le squeal, on est sur une languette qui va être plus rigide. Tu vois, ça fait des frictions. Ouais, ouais, ouais. C'est assez rigide en fait. C'est pas du tout pareil quand ça tourne. C'est ça. Et Loïka, t'es sur une cartouche vibrante format classique, en silicone, waterproof, rechargeable, garantie 3 ans comme tous les délicatesses. Ça c'est cool. T'es sur quelque chose qui est vraiment ultra puissant. Ça c'est le premier mode de vibration. Ah ouais, quand même. Ça dépote. Ils se sont rendus compte chez Passage du Désir que sur les jouets, t'as une espèce de gros gap. Mmh. En gros, soit t'as les jouets à pile qui vont aller de 10 à 50 euros. Ouais. Et après, tu passes direct sur des jouets beaucoup plus haut de gamme, ouais, où tu vas être sur du 99 euros. Ouais. Donc t'as un espèce de trou de 50 euros et c'est un peu compliqué quand t'as envie de quelque chose de vraiment quali et en même temps pas trop cher non plus. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé la marque. Nous qui les produisons, on sait très bien qu'ils vont finir les 3 ans. Ouais. Voilà. C'est aussi nous qui les choisissons, qui les testons. En silicone, médical évidemment. Ouais, et plastique ABS quand t'as des plastiques. Il y a aucun phtalate dans ces plastiques. C'est ça, on est sur des trucs en formulation qui sont quand même super clean. J'ai une jeune fille qui vient chercher un premier jouet, oui, ou qui veut l'offrir un jouet à une copine. C'est bien, c'est mignon. Ouais. C'est exactement ça. Il est joli, il est mignon, il fait pas peur. Ouais. Je le trouve tellement mignon, même le témoin de chargement, c'est un cœur. Oh. Le sens du détail qui est poussé au max. Il a un toucher, ouais. Il y a le silicone qui flotte un peu. Ouais. C'est cool. Ouais, autant sur les autres, t'es sur un silicone qui va être beaucoup plus rigide. Ouais, ouais, ouais. Autant celui-là, il est c'est un peu moelleux. Ouais, c'est ça. Bon, je
Je t'ai pas parlé hier soir, mais tu as bien vu. On est allé à la soirée Elles font YouTube. C'était trop trop cool. Une soirée comme ça, il y a plein de créatrices où tu vois qu'il y a de quoi faire sur YouTube. Il y a plein de meufs avec des super projets, des super idées et du super taf. Donc c'était trop cool. Et là aujourd'hui, je vais à la SCAM pour voir pour ma chaîne, pour gérer mes mois d'auteur. Ça va pas être très intéressant, je vais pas vlogger là-bas, mais bon. Je vous montre un petit peu des images si je fais des balades sympas dans Paris et je te reprends sûrement ce soir. Ok, donc en fait ma rue c'est ça. C'est là où je vais. On va savoir que c'est une rue à Paris ça. Il y a pas ça à Grenoble hein. La nuit. Je suis devant le centre Pompidou et que je trouve très très beau. Quand même la nuit c'est joli. Ça fait longtemps que j'étais pas passée devant et je trouve ça merveilleux. Si j'étais parisienne, franchement je viendrais bouffer de l'art. Je viens de passer un très très agréable moment pour vous parler de ce livre qui est sorti déjà. Mais je vais vous en faire une vidéo dédiée. J'ai rencontré les gens qui ont fabriqué ça. Deux femmes, super, super cool. Je vous le conseille déjà, après je vous en parlerai plus en détail. Je suis trop contente, à chaque fois que je viens à Paris, je fais des rencontres trop trop bien. Je fais un super métier pour ça, pour être en contact avec des gens qui partagent les mêmes idées, le même feeling autour de la sexualité, autour de toutes les choses importantes de la vie, c'est trop trop bien. Je vous dis bonne nuit et à demain! Encore, ça va être drôle. Avec bah, la fameuse nouvelle pompe là. D'accord. Qui vient d'arriver. Ah oh, ouais. Bah, ça c'est le fameux livre. Tiens, les échantillons sont trompés et du coup tiens c'est le fameux livre d'Archimix. Ça c'est l'air beau. D'accord. C'est le nom qui m'étonne un peu avec le beurre. Ouais, je sais pas. On va se reconnaître. Oh, voilà.
Les partenaires, j'en ai parlé aussi. Ouais, t'as partenaires, t'as les satisfiers, t'as beaucoup de choses qui arrivent sur les nouveaux satisfiers qui ont l'air plutôt pas mal. Bon, va peut-être pas trop falloir qu'ils tirent sur la corde non plus parce que les trois. Ça y est, on est allé chez Dorcel, c'était trop cool. Des gens très sympas, franchement. Il y a une vieille image de Dorcel, du coup je me disais, ouais, je sais pas, et tout, mais en fait c'est super cool. Ils ont un lab, ils aident à se développer des petites marques, des nouvelles startups sur des nouveaux trucs, des nouveaux concepts, ils sont vachement innovants. C'est trop cool. Donc je vais peut-être faire des projets avec eux. Donc à voir. C'est un vlog. Oh, bah là, c'est dans le vlog. Ouais, tu vois la chaîne. T'as une chaîne YouTube? Oui. C'est beau. Interruption, mais ce n'est pas grave. Du coup, ouais, plein de projets à venir, sûrement dans longtemps, parce qu'il y a certaines choses qui vont sûrement se mettre un peu de temps à se mettre en place. Mais j'espère que je vais pouvoir vous reparler un petit peu des petits produits. J'ai un échantillon d'un lubrifiant dans la poche qui promet d'apparemment être super cool. J'espère que je pourrai vous en parler. Dans la rue telle une fashionista en vert vif avec du rouge à lèvres violet et lunettes. Je vais au Veggie World, ça y est, enfin, et en retard parce que il est déjà midi et demi, ouais, midi 42, et on n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc c'était dur. T'as vu certaines images, je pense. Tu sais que du coup je suis allée me balader dans des endroits où faut pas aller se balader. Vraiment pas aller se balader là-bas tout seul s'il y a personne qui connaît. Moi j'étais encadrée par des gens qui sont très très connaisseurs de l'endroit, qui ont l'habitude de faire ça, mais sinon faites le pas. Et là du coup c'est Veggie World. Tout à l'heure on va aller voir les carencés. Je pense que je vais vlogger un petit peu avec eux quand même. Il y a moyen d'eux. Je vous dis à tout à l'heure du coup. Sébastien Cardinal. Salut. De plus en plus, j'ai
envie d'ouvrir ma gueule, mais j'ai fait beaucoup de vlogs qui concernaient une transformation physique pour moi. Donc je voulais perdre du poids, reprendre le contrôle sur mon physique et tout, me reconnecter avec mon corps. Donc j'ai fait un programme alimentaire et sportif et je suis devenue vegan en faisant ça. Pendant, au détour d'une discussion avec mon coach, il m'a fait « Est-ce que je mets des œufs dans ton programme alimentaire ?» Je fais « Non. » Allez. Et du coup, bah, voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, les gens m'ont suivi dans des vlogs presque quotidiens. Et en même temps que je transitionnais, donc ça a vachement marqué les esprits que maintenant je suis vegan et que je fais très attention à ça. J'essaie de glisser des petits messages dans pas mal de vidéos aussi pour rester logique et cohérente avec moi-même. Si je faisais attention à ce que je consommais au niveau alimentaire, il fallait aussi que je fasse attention à toute l'exploitation qu'il y avait derrière les produits. Il faut à chaque fois aller demander au service client « Bonjour, est-ce que vous savez s'il y a du lait dans vos produits ?» Ce qui paraît aberrant, mais malheureusement, il y en a beaucoup. Les préservatifs, c'est pareil, et ça peut faire encore plus de monde. Du coup, il y a énormément de préservatifs qui ne sont pas vegan parce qu'il y a la caséine, qui est la protéine de lait. Sur YouTube, il y a des trucs là-dessus. Ouais, très très prochainement, toi-même tu sais. Je parle de la sexualité, c'est aussi le fait de reprendre le pouvoir dans sa vie sexuelle. Toutes les femmes et toutes les jeunes filles qui subissent un petit peu soit leur propre carcan qu'elles ont dans la tête par leur éducation et tout, soit des partenaires qui mettent un peu la pression. Moi je lutte contre tout ça. Et, la plupart des gens ne remarquent même pas en fait. Pour eux c'est normal et c'est ça que j'essaie aussi de penser que ce soit normal de faire des choses qui ne se mettent pas les animaux.
Deuxième journée au Veggie World, mais il y a moins de monde quand même. Je pense que je vais moins vous rencontrer aujourd'hui. On a encore bien mangé des gaufres avec du seitan dedans, plein de choses. Petite sauce à l'estragon. Voilà, gare de Lyon avec la belle tour de l'horloge. C'est la fin de ce petit périple parisien. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. Comme tu peux le voir, j'ai une nouvelle vie, je découvre plein de choses, je découvre des nouveaux gens, c'est super cool. Et je suis très contente d'être venue à Paris, de vous avoir rencontré au Veggie World. Trop bien. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans de nouveaux vlogs. J'espère que celui-ci t'a plu. Puis dans de nouvelles vidéos, de nouvelles sexy reviews et plein de nouveaux projets. Des gros bisous à toi et à bientôt. Faites-vous plaisir.